sénateur de l'Ouest. Nous allons faire un petit balavel pour nous connaître et qui j'en comprenne ou bien et qui j'en et commission justice et sécurité après bon dit. Et sénateur Jean-Renel Sénatus, bonsoir. Bonsoir Marco, bonsoir De Gaulle, bonsoir Gary, bonsoir aux auditeurs, auditrices de Scoop FM. Mm-hmm. Bon, disponible pour nous. Eh bien, et comment est-ce sénateur? Bon, avec vous, non pas je ne t'a souhaité dans la mesure où il y a un pile plan que nous gagnons jusqu'à présent pour vous arriver à exécuter. Mais nous avons fait de notre mieux pour nous bailler sans capable de bailler là. Mm-hmm. Et même plus que sans capable de bailler dans la mesure du possible. Ok. Et Sénat est presque paraît en mode pause, puisque nous avons fait deux ou trois semaines là que nous n'avons pas vraiment fonctionné. Mais et séance qui sont faites dans semaine là, c'est sous instigation commission que vous avez dirigé. Et je dis à mon paquet de bail, qui parlez qui ont compris séance là ou même. Oui, mardi soir, il y a une séance et c'est une séance qui relance l'activité sénatoriale au niveau assemblée. J'en ai constaté et je suis toujours bien content lorsque la presse l'a prouvé, j'ai regardé dans la mesure où les sénateurs sont des éléments de la société qui ont même, je dis, un rôle à jouer pour la société. Et que lorsque il y a des autres qui ont fait, qui ont touché comme l'État, sénateur a pris plus le jeu, le sénateur a mis le travail. Donc c'est normal pour la presse à garder, c'est normal pour la société à garder, qu'on connaît qui est qui a touché, qui a pris le privilège et qui va faire le travail. Mm-hmm. Ça, nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous avons un groupe sénateur qui nous fait effort pour une prison et nous toujours à critiquer ça, dénoncer de manière que tout n'est capable de prendre responsabilité. Et mardi, suivant avec le conférence de président de l'Indique Gagné, nous avons gagné pour nous rencontrer avec CSPN. Non, parce que nous avons des sujets vraiment brûlants qui demandaient pour nous adresser. Par exemple, ça qui est à la sécurité, sécurité au niveau du Nord, sécurité au niveau à Kaye, Cabaret, Cantier nous a fait tête, Siot nous a fait tel, Lougane, il a tiré sous Campis, alors que nous connaissons Marti, et il s'en tenait là qui est un problème. Mm-hmm. Donc, il y a l'autre zone encore qui est problème dans le pays, il devrait adresser le problème ça. Et ouais, avec CSPN, qui ça prend comme stratégie et pour permettre la société de continuer à vivre. On dit un moment de sécurité, on dit un moment de calme. Eh bien, nous avons gagné pour nous adresser à CSPN notre question qui a fait trio, ça qui est passé au Cap Haïtien. Il a un rapport que la commission que m'a dirigé a été présenté, vu que nous avons gagné une commission qui est devant nous par la conférence des présidents pour nous rendre nous au Cap Haïtien, pour nous enquêter, pour nous répondre qui s'est passé au Cap Haïtien. Nous avons fait Yuri avec le sénateur Jacques Sauveur Jean. Nous avons gagné pour nous adresser problème la police dans tout. Ça concernait l'arrêté qui datait 23 mai 2018. Arrêté que moi-même, personnellement, comme président de la commission, moi, j'ai dit qu'ils sont arrêtés qui révoquaient Michel Angéléon comme président, comme directeur général la police là, vu qu'ils ont retiré toute responsabilité, ils ont retiré toute autorité sous institution ça, qui sont institutions hiérarchisées, qui lui-même l'a dirigé. Mais faut qu'on dise, dans journée de travail, dans soirée de travail ça, qui finit à 1h40, c'était vraiment une séance marathon, dans la mesure où tu as gagné un pile sujet que tu as gagné pour nous débattre. Lorsque nous arrivons dans la question, nous pas même qu'à être arrivé dans l'arrêté 23 mai, nous avons questionné et arrêté que M. Oprin pour te créer un corps spécial. Et que aurait les précifs là, genre, mais autorité au dit nous, qui gagnait là-dedans, ministre justice là, secrétaire d'État, la sécurité publique, des CPJ, des agents de PNH, mais qui prend l'ordre directement de secrétaire d'État à la sécurité publique là, monsieur Ronsard Saint-Cyr. Mm-hmm. Et là, nous avons questionné à l'ETA pour nous la légalité, dans la mesure où, pas qu'à gagner de force en deux pays. Il y a des agents de la police. Ils n'ont pas dit qui est cap désigné agent de police. Ça, yo. Donc, il y a un des CPJ. Ils n'ont pas dit qui est cap désigné des CPJ. Ils ont estimé qu'il y a une immixion que l'exécutif fait à partir de arrêter ça. Non, question la police. Non. Mm-hmm. Et c'est une question que tu as dû au moins adresser. Maintenant, nous sommes venus pour nous aborder la question arrêtée 23 mai. Malheureusement, il était déjà 1h40 du matin.
monsieur le sénateur était vraiment fatigué. Mieux vaut nous reporter ça à un séance. Et là, comme président de la commission, nous demandons que nous traitions ces questions en toute urgence. Mais vu que hier, c'est une question en oral au gouvernement, je dis à une séance en continuation, mm-hmm. je mettais pour mercredi, Dieu voulant, pour nous capables d'adresser ces questions. Et ouais, comment nous capables au moins de faire la paix dans la chirépite qui paraît visible, là, qui gagne entre les autorités politiques et les autorités de police, c'est-à-dire que pour le pays est capable de vivre en paix. Mais est-ce que à partir de ça expliqué maintenant là déclaration Joseph Lambert nous capre comme des fuites en avant? Non, écoutez, moi-même personnellement j'ai lu à travers les réseaux sociaux une déclaration que moi-même moi a dit là que m'dit bien que on prêtait à Joseph Lambert parce que le sénateur Lambert est un sénateur de la République qui prête serment sous constitution, il connaît bien attribution. Et qu'on attribue comme président de l'Assemblée des sénateurs. Le sénateur Lambert, comme président, lui doit un sénateur qui est impartial, lui nous fait preuve d'impartialité lorsque la question est traitée en devoir. Mm-hmm. Or, si nous fixons séance là pour mercredi, il est très maladroit de la part du président Lambert pour le target en bail résultat séance là avant même que nous commencions. Ou bien, c'est un manque de respect à l'égard de nous-mêmes qui sommes dans la commission justice là, lorsque le président a décidé lui-même pour fermer le débat aux gens, déclaration d'hier. Hier, à l'ouverture de la séance d'hier, nous avons soulevé ça à président Lambert publiquement pour nous dire est-ce que c'est vrai cette déclaration. Mm-hmm. Le président Lambert dit non, c'est une certaine presse qui lui a prêté ces mots. Lui-même, il n'a jamais dit bagaille comme ça, il n'a pas dit question que le directeur policier obligé de plier en bas de décision de CSPN. Et même lorsque le sénateur Lambert a dit ça, est-ce que ça ne fait pas parole pour l'éternel que le daïe, c'est tout le monde obligé de dire amen. Non, Bakwell. Parce que, pas oublier, le sénateur Lambert fait partie d'une majorité, qui supporte le gouvernement. Donc, je souligne pour Marco oui. que ces derniers jours, moi, ouais, majorité ça, commençait à traiter parfois des questions et ils prennent un élan. Pour yon retirer, mettre yon place yon en homme d'État pour traiter question. Par exemple, dans le café Trio, côté qui des autres qui fait là, en dépit du fait que y a deux sénateurs qui sont impliqués dans la donne, mais pour estimer que l'intervention, groupe majorité à ta faire, c'est des interventions qui sont censées. Et je veux dire, je pense que c'est ça qu'il y a besoin. Des hommes d'État qui vous disent à l'exécutif là, bravo lorsque vous faites des choses qui vont pour la société, là, mais attention lorsque vous avez posé des actes qui sont capables de préjuger. Aux intérêts de la nation. Mm-hmm. Mais moi, je vais me poser une question ça comme avocat, comme sénateur de la République, et ben c'est mon une petite lumière par rapport à la réponse au balbay là. Le président de la République prend un arrêté et qui instance qui a cassé? Bon, est-ce que c'est Sénat qui a cassé ou bien est-ce que c'est on coup qui a un coup constitutionnel pour qui a peut-être illégal et yo casse ou bien président qui prend l'autre arrêté pour casser arrêter le bran. Il y a deux juridictions, alors si vous permettez, on va utiliser le mot ça, mais qui de manière impropre. On dit deux juridictions, même si encore de manière impropre, qui sont capables d'adresser la question ça. Si nous prenons compte de la politique, alors de la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, l'idée yo pouvoir yo capable toujours de faire pour abuser pouvoir. Et pour ça pas fait pour qu'on pouvoir arrêter l'autre pouvoir. Là, moi je vais parler de la juridiction politique. On dit que politique Sénat ou bien chambre députée, lorsque le monsieur a violé la loi, c'est qu'il faut capable de stopper yo. Comment le cas stopper yo? Le cas stopper yo à travers un exercice de contrôle qu'il fait. Pour dire, attention, monsieur le ministre, là on a violé la constitution, on a violé la loi. Attention, monsieur le premier ministre, là on a violé la loi. Mando pour retourner sur la décision. S'il parle sur cette décision, c'est une décision politique et la bien des retombées politiques. Retombées politiques, c'est capable de commencer à frapper le gouvernement, commencer à couper tête, ministre, commencer par le problème dans la loi que la foyer en bas. Et on crée des mesures que capable de prendre politiquement pour faire obstacle à sa gouvernement à faire violer la loi.
Mais en dehors de ça, juridiction qui est capable, juridiction compétente vraiment pour ta compte bagage ça, pour ta compte illégalité, c'est le Conseil, la cour, le Conseil d'État. Mm-hmm. C'est qu'à lui-même, au moins, à questionner la Cour constitutionnelle, par exemple, c'est qu'à questionner question ça, pour dire attention, texte ça, en contravention avec la loi, ou bien en contravention avec la Constitution, la, le principe de la hiérarchie des normes. Il n'est pas d'accord qu'on arrête de abroger la Constitution ni la loi, par conséquent, il doit tomber. Mais puisque cette institution n'existe pas encore en Haïti, qui est capable de faire? Eh bien, lorsque nous avons une question de sécurité nationale, en droit international des droits de l'homme, il y aurait des sujets qui en pourraient d'urgence. Et l'urgence suivant la loi, c'est le code de procédure civile noire, c'est une caractéristique. Attribution juge des référés à l'IGN. Ça veut dire, si on dit par exemple, la police, donc pour décision au Conseil des ministres, je dis la police pas faire sécurité en Haïti pendant 24 heures qu'il y a, ou bien les 72 heures qui suivent promulgation à l'IGN. Ça a son mesure qui est capable de porter préjudice à Kormoun, à Biémoun, donc aux droits humains. Mm-hmm. Puisque c'est aux droits humains, eh bien, n'importe quel citoyen qui lui-même a des capacités, l'aime de la guérilla, les cas pouvoir par devant le juge des référés, demander le juge des référés pour ordonner sursis à l'exécution de cette arrêté. Maintenant, pour me tourner dans la déclaration, président Lambert, c'est des cas que lui dit que le va faire. Mm-hmm. Si il t'a fait, lui, moi, je pense que c'est bien erreur dans la mesure où, si politiquement, nous n'avons pas qu'à stopper, on dérive que le gouvernement a fait, c'est que nous-mêmes, comme sénateurs, nous n'avons pas place, nous, en bas, pour le pays. Nous obliger à camper pour nous dire au gouvernement, même lorsqu'on a supporté, ou bien nous pas supporté, attention, pour leur créer un principe. C'est vrai, il y a trois volontaires dans le pays. Il y a trois volontaires problèmes dans le pays dans la fête. Société a réelé en pile, diaspora a réelé en pile, il y a volontaires. Mais écoutez, Margot, nous pas qu'à résoudre un mal par un mal. Mm-hmm. Puisque le gouvernement dispose d'une majorité au niveau de la Chambre basse comme au Sénat, moi-même personnellement, pas dans la majorité, il y a. Mais lorsque on va faire un peu pour payer les bons, m'a voté, m'a discuté, m'a aidé pour nous faire le bien, eh bien, voyez un texte de loi pour nous adopter qui a résolu le problème. Mais lorsque on monte un principe, par exemple, ou si c'est le ministre de la justice qui l'a donné, c'est le secrétaire d'État qui l'a donné, ou si c'est ou voir pour quelques policiers de la police, ou par contre, qui manière utilisé au seulement les policiers, et après l'autre, mais un secrétaire d'État qui sont hommes politiques. Or, lorsque c'est un homme politique, par exemple, le secrétaire d'État à Rose, l'ICE PHTK. Et c'est ça, on est PHTK qui a volontaire. Qui change le bien passé, on l'a ça. Et nous, on a exemple. Cassiot, là, par exemple, Monsieur Cazo, qui était, le secrétaire d'État a dit, qui était tourné mission et brisiflant. Il est allé sans mission au niveau Marmirande, et bien, Monsieur Cazo, il était arrêté dans le bureau. Il est venu par quelqu'un de pression libéré. Et puis, on prend un passeport, on prend un passeport, je dis, on met les vieux basiques, c'est un scandale. Le commissaire vraiment n'a pas le droit de croyer de demander de lever des fonds. Or, mais il y a un passeport, et l'information que je gagne, c'est un passeport qui périmé, monsieur, à qui on prend le passeport. Et donc, on est problème. Maintenant, on va regarder qui est autorité derrière monsieur Sacré Kazoua. Qui te manque faire, nous perdons 15 vies dans la police. Mm-hmm. Nous perdons 2 véhicules dans la police sans couler, 2 véhicules de l'État. Nous perdons un paquet d'enfile d'âmes qui te la générale, la population qui est l'action, population qui est paisible, les ramasser là le côté dans le commissariat. Nous par contre combien d'âmes qui sont la réagir, tout que vagabond jouent. Maintenant, ça y est, nous acquérons n'importe comment, c'est des questions qui doivent adresser et adresser avec cette prête. Maintenant, moi je pense que les sénateurs, il y a encore levé à la dimension de leur tâche, de leur fonction, pour aussi à exécutif là. Attention, mon frère, oui, moi qui comprends des problèmes entre vous-même avec Gédéon, parce que Gédéon a été nommé par Priver qui l'a là, donc vous avez dit que Gédéon c'est là-bas là. Mais, ce n'est pas qu'il y ait une institution comme là-bas là. N'a pas l'institution et pas M. Gédéon. Car lorsque nous faisons ça, nous avons mis la police noire dans une grande difficulté et n'a politisé. Or, quand des politiques sont rentrés dans la zone, ça n'a très ni pas pour le pays. Mm-hmm. Oui. Sénateur, en fait, je suis en train de suivre l'intervention en tant que président de commission.
Maintenant, ou saute en fait souligner côté que gon malaise le fait que citoyen qui les casoran, les libres alors que aucun pays un passeport. Même pas tendé ou by position commission justice. Hein, est-ce que ou même en tant que président de commission ou mandé pour la justice fait travail pour appréhender monsieur et même pas tellement tendé réaction par rapport avec secrétaire d'état qui la guille. Bon, donc c'est pas secrétaire d'état qui la guille. Secrétaire d'état dit arrêtez en dans bureau là, tirer les parquets prendre et parquet à libérer, yo ba émission main levée. Alors le terme était impropre parce que le parquet pas capable main levée. Parquet a gagné pour le classer dossier sans suite ou bien pour saisir aux juridictions de jugement. Soit correctionnel, soit cabinet d'instruction suivant espèce là. Maintenant, moi, monsieur Sakazoua, qui est détourné à l'autre bois, maintenant, il faut nous chercher contre une infraction qu'il fait. Parce que ça va être comme mission qui est illicite, qui est illégale. Parce que l'arrêté qui fait principe là, pays a besoin de résoudre le problème, c'est à vrai. Mais j'aime monsieur Opel, là, il a fait un corps qui part par contrôle GDO. Ça veut dire les polices qui ont déplacé Brissi, qui ont déplacé Calciop, GDO pas connu. DCPA pas connu. Quoi plus politique que le technique? Ah, mais c'est ça, me dit, qu'on y a une vie politique. Imaginez si monsieur Sayo Kodjab qui arrive à Tiop, 15 policiers nationaux, nous, et puis next Sayo Kodjab, population est arrivée à tuer. Qu'est-ce qu'il a perdu? Pays a perdu. Maintenant, pays a perdu pour qui ça? Parce que ça paraît qu'on s'y chirépite entre exécutif là avec direction générale police là. Mais moi, je dis comme président de la commission de justice, et nous est capable de trouver un compte entre nous, car tout est conflit entre nous. Et je dois jamais mourir, il va tout à Marocoué, il va tout à Dégoloué, il va tout à Garioué. Mais nous capables de faire nous choquer idéaux pour lumière capable de venir. Et lorsque c'est homme de ça, nous devons traiter des questions sans mesquinerie. Vous n'avez dit c'est si pas si femme. Faut que nous ayons payé comme dénominateur commun. Et c'est là même pensée. M. Kazo est libre. La commission pour qu'on fait recommandation. Nous faisons recommandation seulement sur café trio. Au cas. Puisque tu as mandat d'amener qui met. Il y a deux noms qui ont six mots avec Tifran qui dans ma honte. Des troisième mandat qui est comme chauffeur délégué. Mais délégué a fait obstacle pour arrêter. Nous exigeons à ce que vous exécutez le mandat qui est contre vous. Et contre vous, qui est chauffeur délégué. Maintenant, nous demandons pour des mesures conservatoires contre le délégué départemental là, parce que nous estimons qu'il n'est pas fini trop clair dans le comportement et à ce que c'est la commission. Maintenant, pour ça que concerne ce plan, c'est mercredi, si Dieu veut, n'a pas eu de recommandation à CSPN. Non. Pour ça que concerne arrêter. Qui craser la police, arrêter qui censé mettre chaîne hiérarchisée ça en difficulté, n'a bien pour nous faire recommandation, surtout après que nous puissions faire un grand débat autour de cette question. Mais, bon, je me pose une question sur ça, non, sur le café trio. Oui. Et, en pile, mon temps de déclaration, sénateur, et Yuri la tortue, sur question ça, monsieur expliquait que. Nèg ki t'ap vin krasé, yo te en conversation avec Pascal qui c'est chef cabinet. Yo dit s'il pas fait si, s'il pas fait ça, yo bal tant minutes si pas fait bagarre, il a vin krasé. Et pour qui ça nous pas relever responsabilité sénateur la tortue et également chef cabinet là puisque le fait que yo même yo t'ai averti yo qui responsabilité yo t'ai capable gagner puisque yo même t'ai recevoir un avertissement et yo pas mettre la police au courant pour t'a prendre disposition nécessaire. Et pour qui ça nous pas parler de du tout même. Bon dieu. Lorsque nous travaillons et nous finissons recevoir mission du professeur des présidents, nous avons fixé des hypothèses que nous avons pour nous développer un type de méthodologie, mais qu'elle travaille pas nous. Et suivant l'information que nous avons gagné, Marco, c'est une information qui a dit c'est pouvoir qui organise sa crise avec les lois. L'information qui dit c'est Yuri et monsieur à sénateur Jacquito qui organise affaire pour capable créer une panique politique qui capable rendre populaire dans perspective l'autre élection. Dernier monde qui le dit et ça c'est une hypothèse là, c'est des partisans zélés du pouvoir qui t'avait fait obstacle à la tortue qui voulait aller dans notre campagne qui t'a organisé et
deuxième hypothèse là, puisque Pascal Adrien, l'un des organisateurs de l'événement, c'est un membre AAA que lié, et c'est une équipe candidat, un éventuel candidat à la députation pour la ville du Cap. Il y a près de 30 éventuels candidats à la députation pour la ville du Cap qui étaient à l'intérieur du Capitrio. Donc ça a été sorti dans le adversaire Pascal Adrien. Nous questionnons le pouvoir, pour nous dire, nous pas ouais, institutionnellement, mais pouvoir là-dedans. Cependant, nous questionnons le délégué départemental là, j'ai en pile tout, pour répondre au délégué départemental là, en pile vite, en pile et point qui va permettre de nous aller vers elle, pour le délégué départemental là, qui est un bagage à ouais à question. L'élan sous Yuri, nous questionnons Yuri, nous questionnons le sénateur Jean, Jacques Sauveur Jean, nous questionnons 18 autres mondes qui nous entendaient, nous avons cherché ouais, mais yo, non ça. Jean dit là, effectivement, ça a gagné au délit d'audition pour le mettre la police en connaissance des faits, s'il n'est pas arrivé, mettez au courant. Parce que gagné, l'ex-sénateur Kelly Sébastien, qui à la veille était rencontré avec le sénateur La Tortue, et nous questionnons le tout, il dit, oui, il était rencontré avec le sénateur La Tortue, il était dit, le jour n'est pas facile pour lui. Parce que gagné des partisans PHPK avec des partisans Piti Saline, qui veut venir garder ces bagailles là, parce qu'il dit qu'il faut que poser le sénateur la tortue question sur qui participation, qui implication dans manger quoi pétrocalibé. Parce que l'idée dans l'ancien pouvoir. Et puisque l'estime question ça est capable de créer simultanément, il te dit à sénateur la tortue, ou pas qu'à faire journée ça a réussi facile. Maintenant, qui ça sénateur la tortue te fait lui-même, rapidement l'information, le relais, Préville Castro. Nous confirmer avec Préville Castro qui était directeur du département du Nord. Oui, le sénateur a parlé avec lui. Et rapidement, qui ça le fait? Il est le responsable LDPA. LDPA, c'est la section de la police administrative dans le Nord, qui lui-même s'est monté un plan et qui s'est concevoir un plan de sécurisation de l'espace du dedans comme du dehors. Et puis, lui, monsieur a exécuté le plan. Il a monté un plan, dans le rapport noir. Qui montrait, il a dit à l'intérieur, après police bleue et crémio et officier SDPJ en civil, alors que l'extérieur a contrôlé par les agents de l'UTMO. Maintenant, pour dire, mais sénateur la tortue, pas dans le cadre de l'omission qu'il a fait là, pas dit oui, les gagnants ont faute là-dedans, de la mesure où le directeur départemental Castro, Tim, lui dit à la commission, oui, monsieur la tortue Terry Lille, dit-il ça, et il te prend les dispositions nécessaires pour te faire fouille en dedans. Mais comme dit Marco, même pas un expert en matière de sécurité, mais pas trop slot. Et puis, je travaille, moi, je m'oblige à faire pour me pour me connaître dans ma affaire. Et moi-même, lorsque je suis arrivé, c'est là que la tortue te dit nous, le mettre là, le gaz là, il y a cherché pour lui, tout dépôt est fermé. Nous-mêmes, nous arrivons, nous avons un dépôt qui est fermé. C'est impossible pour le dépôt qui fermé. Qui est un petit porte de secours qui servit à l'alimentation de restaurant, effectivement, un matin qui était ouvert, vers l'un des autres d'après le fait que ça passait cadenas derrière. Maintenant, là, nous entrons dans la questionner notre paramètre de sécurité. L'un gardé, nous, en tant espace, en tout cas, depuis qu'il y a son espace qui habite, comme si au loin, monde qui est en dedans, comme caillot. Ça veut dire qu'il y a trois étages. Si quelqu'un monde captif en dans ces habitations faire de leur famille, donc on pas qu'à dire la police va demander pour fouiller tout le monde dedans. Tout le monde pas fouiller vraiment. Mais on a regardé dans l'espace nord-ouest de Capitrio, nous joignons l'espace là qui est côté si on monte dans cette petite monde, les cavoyer gaz en dedans. Si on ne campe derrière dans l'espace nord de Capitrio, les cavoyer à partir de il y a un garage qui est l'autre bord. Donc, il y a trois paramètres qui ne sont pas saisis pour nous-mêmes, qui va nous-mêmes nous dire question de sécurité, l'idée du niveau de vue de la perception. Mais en réalité, la police n'a pas de moyens vraiment pour se sécuriser, c'est pas ça. Donc, il y a une responsabilité, nous avons identifié, mais donc, nous avons questionné l'intention de la police. Non? Et quand toute autorité qui est questionnée, il n'y a pas de possibilité pour nous dire
erreur de la part des organisateurs et même erreur de la part des autorités de police, dans la mesure où peut être été avec cette prête pour défendre. Mais même les tout gens qui ont dit, pendant nous qui peut-être pas relevé erreur de la part des organisateurs, mais si on organise un événement, moun kap vin krasé là a pas la voix dans téléphone la prélo dans téléphone ait pour là c'est quelqu'un numéro téléphone ou il a pas la voix et puis ou pas mettre la police au courant pour prendre disposition nécessaire et ben elle a passé quelques minutes après lui même gen mort d'homme la donne ou pas penser ça son facteur extrêmement important dans cadre d'enquête même dire bagaille et on dit déjà information que Castro ban nous Ville Castro l'idée que le sénateur La Tortue est informé. Maintenant, il y a un problème, effectivement. Et là, moi, je pense que c'est un traitement politique qui fait des questions, qui fait pas faire prévention. Car en matière de sécurité, une fois qu'il y a des informations ou des renseignements, deuxième étape là, c'est la prévention qu'il faut faire. Certainement. Maintenant, monsieur n'a pas fait prévention. Par exemple, moun qui t'a bien dit si on parle de propre moins. Si mot actif qui prend par exemple qui est indexé qui te dit si au pas pour cop ba yo y a crasé activité a yo te doit faire la police te doit faire en sorte que si mot actif prend ce moment ça yo te un côté bien déterminé côté là la noter te besoin yo te ca joindre mais au moins te ca mettre yo au côté pour après événement même penser traitement politique yo fait yo ca faire parce que c'est un sénateur. Yo ka fèl parce que l'autre monde c'est partisan de pouvoir. Yo ka fèl parce que yo doit garder comme une cette menace qui pas exécutée vrai et puis malheureusement parce que yo pas permettre yo à jour avec avec sa exigence événement malheureusement Jacques Dubois va mourir et mon frère va le casser et mon ça prend gaz à qui mon jeune qui l'hôpital ça prend soin jusqu'à présent. Même d'accord ensemble avec vous là me conseille oui si prévention a été faite nous c'est qu'à éviter genre de situation ça. Bon et non quand Michel-Ange et Gédéon parce que vous dit là opération Brissif là a faite monsieur pas impliqué là-dedans il va connaître et il devine là nous te rendre nous compte que bah qui t'a passé dans Gravine dans mois décembre était décembre de Gaulle novembre en 13 novembre quand on met 13 décembre et oui, dans Gravine novembre 13 novembre et li censé pas au courant et li même tout li saute prend des dispositions au niveau du haut commandement de la police et d'en faire des changements et constitution dit faut la viser ou bien la loi sous la police a dit faut la viser et exécutif là li pas fait li exécutif la vini avec un arrêté et qui j'en ai analysé tout comportement et chef la police là tout par rapport à ça parce que nèg ki nan pouvoir a fait politique mais chef la police ta konlevé ou non c'est aussi un politicien là beton nèg nan tête la police et policier rien doit pas politique mais nèg ki chef dans la police ta au commandement la police a c'est des nèg qui gen stratégie politique pa yo sous gens a pas agi est-ce que nous pas questionner tout comportement et chef la police là les li nommer des monde sans qu'il pas avisé et exécutif là alors que li non pouvoir côté c'est président là et pas li choisir et nous pas analyser anomalie ça tout dans niveau sénat comme dit dans quatre débats c'est bien près de 8 ou 10 mais 11 sénateurs qui sont sorti pour débattre un mandat spécial à commission pour nous organiser une assise entre Michel Angélion le directeur général le CSPN et commission pour nous regarder comment nous allons faire renouer les liens communicatifs qui doivent exister entre les dirigeants. Moi-même, personnellement, j'ai estimé que c'est une mission qui est difficile dans la mesure où ce n'est pas de mon devoir, de mes attributions en tant que sénateur pour me dire attention, DG pour parler à PM, PM pour parler à président, ça va faire femme. Maintenant, nous estimer de loin qui ont un conflit, qui ont un problème entre autorités. Moi-même, je connais le Marco, lorsque j'ai mis un tabrivé dans cette pouvoir, dans cette, la police, moi, j'ai fait partie d'un groupe de G9. G9, ça a été minorité, face avec le groupe qui a supporté le président Brivet. Moi-même, personnellement, comme président de la commission, j'ai analysé pièce de Léon et me voté devant l'Assemblée. L'Assemblée a fait un vote favorable, mais moi-même, pas de voter.
parce que m'étais arrangé pour me passer là dans joie parce que me pas comprendre ça pouvoir ça faire pour me dire me pas vrai entrer tête dans le bagage que me pas comprendre. Donc j'ai dit là il va vous bénéficier votre moi. Je suis plus clair, plus libre, mais indépendant puisque me pas voter pour vidéo et me fait travail moi comme président de commission. Pour me dire à M. Gédéon, là, on va diriger la police, c'est la police nationale. La police peut être technique. La police capable administrative. La police capable de scientifique. Mais là, ou même comme DG, ou à faire politique. Et puisque vous faites politique, il faut qu'il y ait communication entre vous-même avec l'autre monde qui a fait politique dans le pays. Donc, dirigeants qui, au niveau exécutif, surtout. Maintenant, li anormal, il est anormal si M. Gédéon a compris, il a pris des mesures et des mesures, il n'a pas mis le ministre au courant.